¿Ya? Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta presentación del libro de François Artaud, donde quizá la discusión central está en el tiempo occidental. Y sabemos que hay otros tiempos y otras maneras, digamos, de medirlo y de interpretarlo, pero aquí estamos en un acotamiento específico del tiempo cristiano al antropoceno. La dinámica con la que vamos a trabajar es una dinámica que va a consistir en lo siguiente. Primero, el doctor François Artaud va a hablar 10 minutos sobre su libro, sobre su obra. Luego le daremos la palabra a la doctora Norma Durán, quien es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Azcapotzalco, que en esta ocasión estamos haciendo este evento de manera conjunta entre el Colegio de México y la Universidad Autónoma Metropolitana y el Departamento de Humanidades. La doctora Norma Durán, sus temas de interés básicos es la historiografía, la historia de la evangelización en la Nueva España, y ha traducido varios de los libros de François Artaud, incluyendo el que ahora se presenta. Entonces, después le daremos la palabra nuevamente al autor de este libro, y seguidamente de eso, el doctor Alfonso Mendiola, quien es profesor de la Universidad Iberoamericana y ha publicado varios libros sobre historiografía colonial y artículos sobre teoría de la historia y la historiografía, hablará también 10 minutos. Nuevamente devolvemos la palabra a François Artaud y finalmente el doctor Guillermo Cermeño, que es profesor del Colmex, fundador del Seminario de Historiografía y gran guía de muchos de nosotros en estos temas, y que también ha escrito varios libros sobre historiografía de México y sobre historia cultural. Sin más, pasamos ahora a la presentación de François Artaud, quien es un autor, historiador, que esto también es muy interesante porque es un pensamiento teórico desde la historia. Él es profesor durante mucho tiempo de la Escuela de Altos Estudios y que tiene varias obras donde se ha abordado con mucho detenimiento aspectos centrales de la historiografía desde los griegos hasta nuestra etapa. Así que sin más, le damos la palabra al doctor François Artaud. Merci. Merci d'avoir organisé cette rencontre à Mexico, alors que moi je me trouve pour l'heure à Chicago. Et bon, en dépit des petits problèmes de traduction, j'espère que nous allons pouvoir avoir une bonne conversation autour de Chronos. Et encore une fois, je suis très reconnaissant d'être là aujourd'hui pour parler de Chronos et c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Alors, Chronos, le livre, s'inscrit dans la suite de mon livre « Régime d'historicité », mais l'approche a changé par rapport à « Régime d'historicité » où il s'agissait simplement d'établir, de proposer le concept de régime d'historicité. Cette fois, le point de départ est le temps chrétien, ce que j'appelle le régime chrétien d'historicité, présenté comme un point de départ de ce qui finalement est devenu ce qu'on appelle le temps de l'Occident. Comment s'est-il formé? Qui l'a lancé? Et entre, évidemment, le moment du régime d'historicité et le temps d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 21e siècle, la conjoncture a changé. Et si le présentisme que j'essayais de diagnostiquer dans « Régime d'historicité » quand il a paru est toujours présent, il n'en meurt pas moins qu'il a été secoué, questionné profondément, et en particulier par
ce qu'on appelle aujourd'hui l'Anthropocène, ou encore cette tâche planétaire qui vient remettre en question très profondément toutes nos constructions temporelles. Dans Chronos, le livre, on commence avec les Grecs qui ont divisé le temps en Chronos d'un côté, Kairos de l'autre. Le premier, Chronos, c'est le temps ordinaire, celui des saisons, celui qui passe et qu'on mesure. Le second est ce moment inattendu, cette occasion que l'on saisit, qu'il faut saisir, qu'il faut savoir saisir, le moment favorable, mais aussi l'instant décisif. Si l'on sait mobiliser à bon escient Chronos et Kairos, en faisant jouer le couple Chronos-Kairos, on a de bonnes chances de réussir dans l'action entreprise. Entre Kairos et Chronos, pour les Grecs, il n'y a pas de différence ontologique, mais une différence de qualité. À ce premier couple, Chronos-Kairos, les Grecs en ont ajouté un second, de portée plus réduite, celui formé par Kairos et Chrysis. Chrysis, qui a été utilisé en particulier, mobilisé en particulier par la médecine hippocratique. Au sens premier, Chrysis signifie le jugement. Et appliquer le concept de Chrysis à la maladie, c'est une manière de désigner, de pointer le moment où le cours de la maladie change, soit qu'elle aille vers le mieux, soit qu'elle empire, qu'elle aille vers le pire. C'est au docteur, au médecin, justement, de savoir identifier les jours critiques. Et au même moment, du même coup, les moments favorables, Kairos, pour une intervention de sa part. Il y a donc une proximité entre Kairos et Chrysis. Quand ces trois concepts sont passés du monde grec au monde de la Bible, quand la Bible a été traduite en grec à Alexandrie au cours du IIIe siècle, ils ont donc traversé, mais ils ont été modifiés. Si Chronos demeure bien le temps ordinaire, Chrysis, dans l'univers de la Bible, reçoit un sens beaucoup plus fort, puisque Chrysis devient le nom du jugement dernier ou du jour du Seigneur. Dans les apocalypses juives, le jugement qui viendra diviser les justes des méchants pour toujours est précédé par les jours violents, ces moments violents de l'Apocalypse. Les premiers chrétiens, une petite secte juive apocalyptique, reprirent ce schéma tout en le transformant profondément, puisque, comme vous le savez bien, le Messie était venu. Chronos, pour sa part, ne change pas. Chrysis ne change pas non plus, puisque la séquence finale est celle de l'Apocalypse, du jugement et de la fin des temps. Mais Kairos, lui, change et devient le concept central. Kairos vient désigner le moment de l'incarnation. Et Jésus, le Christ, est Kairos, ou même le Kairos. Il est cet événement unique qui vient couper en deux le temps, Chronos, et ouvrir un temps radicalement nouveau. Le temps devient christocentré et le sera de plus en plus au fur et à mesure que le Christ devient le pivot de l'ordre du monde, de l'ordre du temps du monde. Le résultat de cette opération est que Chronos va se trouver pris, pour ainsi dire, entre deux limites, celle de l'incarnation et celle de l'approche du jugement. Entre les deux, entre ces deux bornes, ces deux limites, il y a, pour les premiers chrétiens, un présent
et pas d'histoire véritable, un présent qui n'a pas de substance. Car si tout n'est pas encore achevé, tout est déjà accompli. C'est le déjà pas encore. Il est nécessaire de quoi faire, de se convertir, de rester éveillé, comme le disent comme les évangiles, d'être prêt pour l'imminence de la fin. Avec ce nouvel arrangement des trois concepts, ce que j'appelle un régime chrétien d'historicité prend forme, que l'on peut définir comme un présentisme apocalyptique. L'incarnation ouvre le temps de la fin, qui, selon Saint Augustin, est aussi le temps de la vieillesse du monde. Et ce temps de la fin, qui s'ouvre, il est en attente de la fin du temps et de la fin de ce monde. Mais cette fin, à la fois crainte et désirée, seul Dieu ne cesse de répéter les Écritures, en connaît l'heure. Aussi, toute spéculation doit se trouver proscrite. Et bien sûr, les spéculations n'ont jamais cessé, et l'Église n'a jamais cessé de les condamner et de les réprimer durement. Le reste de l'histoire, elle est connue, c'est celle des façons dont Chronos, si j'en fais un acteur, les façons dont Chronos va peu à peu échapper à ses deux gardiens qui l'enserraient, Kairos d'un côté, Chrysis de l'autre, et va peu à peu prendre son autonomie jusqu'à, avec le temps moderne, étendre son empire sur le monde qui deviendra le monde occidental et au-delà. Mais avec le XXIe siècle, une nouvelle configuration se fait jour, se met en place, celle d'un présentisme que j'ai appelé, proposé d'appeler présentisme, qui est à la fois contesté et renforcé dès lors que l'on entre dans ce nouvel âge planétaire. Tocqueville, quand il revient d'Amérique, écrit en 1840 « Quand le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres ». Ce diagnostic confirmait la fin de ce que j'ai appelé l'ancien régime d'historicité et donnait du même mouvement la formule de son renversement moderne. Quand le futur éclaire le passé et le présent, l'esprit ne marche plus dans les ténèbres. Cette nouvelle relation au temps est à la fondation et au fondement du temps moderne et de ce que j'ai appelé le régime moderne d'historicité. Mais quand, l'histoire continuant, la lumière du futur, la lumière venant du futur, diminue ou même s'éteint, bien l'esprit marche à nouveau dans les ténèbres. C'est, selon moi, la configuration qui a rendu possible le présentisme, d'abord dans le monde occidental. C'est-à-dire un régime où un présent autosuffisant, prétendant être sa propre lumière à lui-même, n'illumine du passé et du futur que ce dont il a immédiatement besoin pour se justifier lui-même. Le temps médiatique a été le premier moteur de ce temps présentiste. Ce présent, par ailleurs, se pose comme juge du passé et redoute le futur, qu'il considère comme imprévisible ou menaçant, ou les deux. Quoi qu'il en soit, avec l'entrée dans l'Anthropocène ou dans cet âge planétaire, en l'espace de quelques années, la configuration change complètement. Et on peut dire qu'à nouveau une lumière vient du futur. L'esprit, par conséquent, ne devrait plus marcher dans les ténèbres, sauf que cette lumière est pour ainsi dire un soleil noir. La structure de ce qui était le régime moderne d'historicité, c'est-à-dire où la catégorie du futur dominait et illuminait le présent et le passé, devient bien à nouveau opérationnelle
opératoire, mais aujourd'hui, à la différence du régime moderne qui était complètement notre fabrication, notre œuvre, ce régime renouvelé est seulement en partie notre fabrication, notre œuvre, puisque en partie dans la mesure où l'espèce humaine est devenue une force géologique. Et ce futur qui s'avance vers nous, il vaudrait mieux faire quelque chose pour lui échapper ou au moins pour le retarder. Dès lors, nous nous trouvons face à une double injonction, croire encore ou à nouveau dans le futur, mais un futur qui est tout sauf glorieux ou brillant. Ça n'est pas du tout facile, spécialement pour ceux des humains qui, depuis 2 siècles environ, ont été nourris au futurisme, du régime moderne d'historicité et du progrès, avant d'être pris, rattrapés au cours du dernier demi-siècle par le présentisme. Et voilà pour cette rapide présentation. Muchísimas gracias. Seguramente hay muchos conceptos y nociones que se pueden discutir y plantear, digamos, como punto de partida para otras reflexiones y que tiene que ver también con ámbitos no solo, digamos, relacionados con la teoría, digamos, sino también y fundamentalmente, creo, con la política. En fin, creo que hay un planteamiento muy fuerte respecto a este sol negro, ¿no? Y a este antropoceno que nos ha planteado François. Así que para seguir con la dinámica que hemos planteado, le damos la palabra ahora a la doctora Norma Durán y la oímos. Buenas tardes. Gracias al Colegio de México, gracias al Departamento de Humanidades de la UAM. Y sobre todo, muchísimas gracias a François Hartog, que nos ha cedido parte de su tiempo para esta presentación. Mil gracias, François. De alguna forma, yo repetiré de otra forma mi lectura y mi traducción de tu libro, tu obra maestra. Tienes muchas, pero bueno, esta... directamente me toca. Cronos, el tiempo en griego, es sobre todo eso de lo que habla la historia desde que aparece su primera figura, Heródoto, como sujeto que avala por sí mismo su narración hasta su forma actual. Desde los años 90 del siglo XX, François Hartog ha estado interesado por el tiempo. ¿Cómo se articula pasado, presente y futuro? Lo que él denominó como regímenes de historicidad, de los cuales ya nos ha hablado. ¿Y cómo se refleja esa articulación en la escritura de la historia occidental? Me gustaría traducir el subtítulo de su libro Cronos, porque en español tuvo otro subtítulo, con la metáfora que él usa, Occidente, en la lucha con el tiempo. En él nos expone cómo aquello que se ha llamado civilización occidental ha intentado aprender el tiempo. Y debe quedar claro desde ahora que el tiempo es inaprensible. Recordemos el pasaje de San Agustín. Si no me preguntan qué es el tiempo, sé lo que es, pero si me preguntan ya no lo sé. Pues ninguno de los tres momentos del tiempo son. El pasado ya no es, el presente está siempre dejando de ser y el futuro aún no es.
Esto nos lleva a la conclusión de que el tiempo no es. Por otro lado, está lo que Heidegger llama la noción vulgar del tiempo que adjudica a Aristóteles. Este sostenía que el tiempo es la medida del movimiento. El tiempo es lo que tardo de ir de un punto a otro. Por eso se cree que el tiempo es la velocidad con la que recorro un espacio. Agustín, superando esta visión del tiempo, nos dirá que el tiempo es la distensión del alma. En fin, del tiempo como medida del movimiento al tiempo como distensión del alma, la historia como saber siempre habla de él. La historia, trate de la Edad Media o de la Revolución Mexicana, tiene siempre como objeto de reflexión al tiempo. Proust diría en el tiempo. Para Artaud, el historiador es un centinela del tiempo. Esto es, observa el tiempo para diagnosticarlo. En particular, el historiador está atento a esos momentos en que el tiempo entra en crisis, cuando una civilización pierde el sentido del tiempo. Las famosas brechas o fisuras del tiempo, como a Hannah Arendt las llamó. Artaud toma como hilo conductor tres nociones con las que los griegos intentaron pensar el tiempo. Ya nos las ha dicho, son Cronos, Kairos y Crises, entre las que desarrollaron en la Edad Media, desde luego. Cronos es el tiempo ordinario, el tiempo cósmico, el tiempo que se mide, que se repite, el de los calendarios. Crisis es el momento clímax, viene de la medicina, como nos ha dicho, y en ese sentido el historiador es un centinela del tiempo, un doctor del tiempo. Y por último, Kairos, que representa al instante oportuno, ese momento que hay que saber aprovechar, ese momento que se presenta de manera sorpresiva o inesperada, aquel que en la tragedia griega los griegos no pudieron capturar. El historiador, aunque suene extraño, es un sismógrafo del tiempo. Artaud, desde que creó la noción heurística de régimen de historicidad, se ha convertido en un agudo centinela del tiempo. Podría decirse de nuestro tiempo. Los tres operadores del tiempo tomados del griego serían introducidos, como ya nos dijo, a la Biblia hebrea en el siglo III a.C., cuando ésta se tradujo al griego para el uso de los hebreos de Alejandría, pero continuarían su trayecto en la traducción del griego, luego al latín con la Vulgata, y configurarían el tiempo occidental durante casi 18 siglos. Del siglo IV, la conversión de Constantino, hasta fines del siglo XVIII con la Revolución Francesa. Este periodo del tiempo lo llamó François régimen de historicidad cristiana. Como él nos ha dicho, es un presentismo apocalíptico que él, bueno, ya nos explicó de alguna forma. Después de haber estudiado los regímenes de historicidad moderno y presentista, en Cronos analiza el régimen de historicidad cristiana. A esa parte le dedica la mayor parte de su libro, son dos terceras partes de él, pero es importante tomar en cuenta que el libro transita del tiempo cristiano al tiempo del planeta, aquel que va naciendo con la noción del antropoceno, que no sabemos si los científicos aceptarán. Mientras el régimen de historicidad cristiano está configurado por los marcadores de crisis y kairos, el tiempo planetario, el del antropoceno, que abriría una era nueva, está marcado por otros límites, la de un fin probable o posible al que ni el régimen de historicidad moderno ni el presentismo nos habían preparado. Pasamos del tiempo apocalíptico al tiempo actual que anuncia una catástrofe. Artaud se pregunta cómo el tiempo cristiano, que él nombra como presentismo apocalíptico, el de los siglos IV al XVIII, nos ayudan a pensar el tiempo de la hora.
Los regímenes de historicidad no solo son distintas formas de articulación de pasado, presente y futuro, sino que necesariamente estos se expresan en la conformación del calendario que organiza la vida cotidiana. En Cronos, analiza cómo se articula el tiempo cósmico con la simbolización de la liturgia cristiana. Y bueno, esto continúa, ¿no? Para cerrar esta esquemática presentación de Cronos, plantearía tres momentos de su libro. Primero, el tiempo cristiano, en el cual Cronos es acotado entre dos eventos cairóticos que ya nos ha señalado François: el de la promesa cumplida con la encarnación y muerte de Cristo, y el kairos y crisis, o sea, la parusía y el juicio final. Segundo, el tiempo geológico, representado por Buffon con su historia natural, en donde Cronos se autonomiza del tiempo cristiano, salta las barreras de esos 6.000 años de la creación. Y por último, el tercero, el tiempo del antropoceno, donde vuelve una visión apocalíptica, pero sin redención alguna. Finalmente, Cronos es una historia de cómo durante varios siglos se fue conformando el tiempo cristiano, si por cristianismo entendemos el tiempo occidental. El libro deja ver, a pesar de los cambios en la organización del tiempo que se han venido dando, cómo el tiempo cristiano, de alguna manera, sigue rigiendo la vida de una parte, de una buena parte de la humanidad: Pascua, Semana Santa, Navidad, etc. Pero este ir al pasado, que ha comenzado en el siglo III con la traducción al griego de la Biblia, donde se introdujeron estos tres operadores centrales a otro mundo completamente diferente, cambió la historia, porque estos adquirirán nuevos sentidos. Y lo que hace Arthur, François, no es un quehacer de anticuario, sino para Arthur tiene la intención de entender mejor el régimen de historicidad en que vivimos. Ir al pasado no es un medio para salir del tiempo, perdón, ir al pasado es un medio para salir del tiempo actual que se rige por la exigencia de lo urgente, de la emergencia y de lo muy urgente, que hace que, como todo lo que es urgente, esté siempre atrasado. El ya, pero el no todavía, del que se hablaba en el tiempo cristiano. ¿Cómo salir de este nuevo presentismo? ¿Cómo volver a encontrar un equilibrio entre los tres componentes del tiempo? Es la pregunta que queda en el aire y que no es posible contestar, al menos no por un historiador. Por mi interés por la historia medieval y de la primera modernidad, me gustaría plantear dos preguntas. Me gustaría que se extendiera un poco sobre cómo fue la elaboración, construcción de las famosas tablas con que Eusebio trata de contabilizar, y bueno, Eusebio, León el Africano y muchos sabios de la antigüedad, los ciclos solares, lunares, listas dinásticas, olímpicas, arcónticas, etcétera, para lo que le importaba a estos hombres de este primer cristianismo es fechar la datación de la venida de Cristo, de la encarnación y de su muerte. ¿De dónde esa necesidad de establecer con toda exactitud esas dos fechas como fechas pivotes del cristianismo? ¿Cómo deben de ser utilizadas o qué implicaciones tuvieron? Esta para mí sería la primera pregunta. Y bueno, dejo planteada la segunda, si François no las quisiera contestar. El otro gran tema es su interés por la historia, la liberación de las dos fronteras del tiempo cristiano: encarnación, redención por un lado, apocalipsis, parusía, juicio final. ¿Cómo transitan al tiempo secularizado? ¿Es una proyección del ya,
pero del no todavía, lo percibe en la elaboración de los jóvenes historiadores. Allí yo plantearía estas preguntas y te agradezco muchísimo, François, tu tiempo y tu presencia en este foro. Sí, le devolvemos la palabra a François Artaud para comentar la intervención de Norma Durán. D'abord, merci Norma de ce rappel au fond du livre lui-même, de ce qu'il y a dans le livre lui-même, de son parcours. Et alors, pour en venir à tes deux questions, enfin, essayer d'y répondre. La première concernant la construction de du calendrier. Bon, je crois que c'est une affaire qui a pris beaucoup de temps. Ça s'est joué sur plusieurs siècles, et même oui, au moins 8 siècles, pour arriver à cette complète conquête du temps par le temps chrétien, par l'insertion, l'infiltration du régime chrétien dans les temps qui existaient, dans les temps chronos qui existaient bien sûr, et dans les calendriers qui existaient bien évidemment, à commencer par le calendrier romain. Et au fond, si je devais résumer d'un mot cette lente entreprise de conquête, mais très systématique, menée avec beaucoup de constance, c'est comment faire pénétrer le temps kairos dans le temps chronos. Le temps kairos du christianisme, donc ce présentisme apocalyptique, comment le faire pénétrer, l'infiltrer dans le temps chronos. Et avec une contrainte supplémentaire qui est la suivante, un calendrier, c'est un cycle, un calendrier, ça se répète. Commencer par les calendriers qui étaient le calendrier agraire. Bon, on a le rythme des saisons qui vient organiser le calendrier. Ou on peut avoir aussi un calendrier plus politique avec des éléments de la vie, par exemple, de la cité, les archontes à Athènes, etc., qui créent un calendrier politique, ou les consuls à Rome. Bon. Mais on est dans le retour, dans le cercle, dans la répétition, dans le circulaire. Et avec le calendrier chrétien, qui n'est fondamentalement un calendrier liturgique, avec le calendrier chrétien, il faut donc avoir ce cycle, ce retour des principaux événements de la vie du Christ, la succession des fêtes, et il faut aussi introduire un élément de linéarité dans cette affaire, puisque on va de l'incarnation vers la fin. Vers la fin des temps, vers l'Apocalypse. Donc, il faut combiner circularité et linéarité, ce qui s'est fait peu à peu. Et alors, évidemment, le point le plus crucial dans toute cette affaire de la construction de l'imposition, construction, développement d'un temps chrétien, c'est la Pâque. La date de Pâques. Et là, c'est une affaire alors, qui a pris 8 siècles, puisque au fond, l'affaire est à peu près tranchée avec la table pascale de Bède, produite par Bède le Vénérable, au 8e siècle. Alors pourquoi c'est une affaire? Bon, c'est une affaire, la date de Pâques est centrale puisque c'est le cœur même du christianisme, la mort et la résurrection du Christ, passion, mort, résurrection. Et
Il se trouve que la date de Pâques a d'abord été le jour même de la Pâque juive. Et manque de chance, le calendrier juif est un calendrier lunaire. Autrement dit, la date de Pâques, c'est toujours la même, mais elle varie en fonction du cycle lunaire. Comment, alors que de l'autre côté, du côté des chrétiens, on est dans un calendrier du côté solaire, comment faire se rencontrer le lunaire et le solaire pour arriver à fixer la date de Pâques? Donc il a fallu beaucoup de temps, il faut faire des mathématiques, il faut faire de l'astronomie, il faut aussi vouloir imposer son point de vue. Donc il y a des rivalités entre Antioche, Alexandrie, Rome, où sont les meilleurs mathématiciens, qui a les meilleurs astronomes, qui aussi a pèse le plus lourd. Rome ne s'est pas imposé comme ça en quelques jours. Et aux nouvelles exigences qui va s'affirmer de plus en plus, la distance entre les Juifs et les chrétiens s'augmentant, on ne pouvait plus placer la résurrection le même jour que la Pâque juive. Donc il a fallu trouver le moyen de décaler. À cette contrainte, qui n'est pas astronomique celle-là, à cette contrainte s'est ajouté encore ce détail qui peut sembler un détail, mais qui, tout ça pour montrer que cette controverse sur la date de Pâques est une extraordinaire controverse qui a duré des siècles. Donc, la date de Pâques ne peut pas être postérieure au 21 avril. Pourquoi? Parce que le 21 avril, c'est l'anniversaire de la fondation de Rome. Donc on ne peut pas mêler une fête païenne avec cette fête centrale du christianisme. Donc là encore, ce n'est pas une contrainte astronomique, mais une contrainte politique. Et enfin, j'ai encore une contrainte, c'est celle de la date de l'équinoxe de printemps, le 15, on pensait la date de l'équinoxe était fixée au 15 mars. Et puis, alors là, l'astronomie a obligé à considérer que ce n'était pas le 15 mars. Donc, il a fallu à nouveau reprendre les calculs pour pouvoir établir la date de Pâques on pensait que dans l'établissement de ces grands cycles, faire coïncider cycle astronomique, cycle religieux et arriver à une espèce de date pour la naissance, pour la passion et la résurrection, de date qui embrasserait une date cosmique. Bon, donc, et dernier coup, donc la définition à laquelle on arrive au Concile de Nicée en 325, c'est premièrement la Pâques sera célébrée le même dimanche, parce qu'il faut que ce soit un dimanche dans tout le monde chrétien, et on établit que Pâques sera le dimanche suivant la première lune de printemps. Et
Il ne faut pas, il ne faut plus que ce soit le même jour que la Pâque juive. Donc on arrive à cette définition un peu bizarre de la, pour la fixation de la date. Et à partir de là, alors on a, il a fallu établir des tables et parce que alors la question de l'établissement des tables est aussi en rapport avec la question de la fin. Bon. Et les premières tables de s'arrêter avaient fait des calculs pour avoir la date de Pâques jusqu'aux années 530, je ne sais plus exactement lesquelles. Bon. Mais à partir de cette date-là, il fallait essayer de reconstruire une nouvelle table pour aller plus loin. Ça a été le rôle de Denis le Petit. Et enfin, Bède le Vénérable, qui, lui, nous emmène jusqu'au XIe siècle avec une table qui permet donc de prévoir, de savoir quel jour, enfin, quand sombrera Pâques dans les années qui viennent. Donc, c'est aussi cette date de Pâques, c'est aussi l'idée qu'on introduit quand même du temps chronos dans le temps kairos. Parce que avoir une table de prévision de Pâques, alors ça ne veut pas dire que l'Apocalypse ne peut pas arriver dans l'intervalle, mais c'est quand même essayer de se donner une maîtrise du temps chronos pour installer cette pièce essentielle du temps chrétien. Voilà, je pense que c'est même probablement été un peu trop long avec cette affaire. Quant à ta deuxième question sur la libération des deux frontières, incarnation d'un côté, apocalypse, jugement de l'autre, c'est tout. Enfin, cette question, évidemment, elle est très, très ample, puisque c'est toute la question qui de la manière dont Chronos a peu à peu échappé à ses deux gardiens. Et pour aller très vite, c'est d'une part la sortie de la chronologie biblique, c'est-à-dire des 6000 ans qui étaient en principe attribués à la durée entre la première année, la création du monde et la fin du monde. Donc il y avait ce carcan des 6000 ans qu'il a fallu faire sauter. Et un des grands acteurs de cette opération, enfin il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites bien sûr, mais un des grands acteurs c'est Buffon au XVIIIe siècle, avec, comme tu l'évoquais dans ta présentation, avec ses époques de la nature et ses calculs fondés sur la géologie, qui montrent qu'il n'est pas possible que la Terre se soit formée en un si court espace de temps, et du même coup, donc la frontière, cette première frontière saute, et la seconde frontière du côté de l'avenir, du côté du futur, on la voit sauter avec, par exemple, Condorcet voit dans son esquisse des progrès, esquisse historique des progrès de l'esprit humain, qui voit l'ouverture d'un avenir indéfini de progrès pour l'humanité. Et c'est la condition pour que le temps moderne, avec le régime moderne d'historicité, puisse prendre toute sa force d'entraînement, puisse considérer qu'il a du coup réduit, s'est débarrassé de Chronos, de Kairos et de Chrysis, ce qui n'est pas, c'est plus compliqué que cela, mais schématiquement, c'est quand même cela. Voilà. Muchas gracias por las respuestas y por las preguntas también que se abren.
respecto a esto. Para seguir, vamos a pedirle al doctor Guillermo Cermeño que haga su intervención y oigamos la respuesta. Gracias. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por quienes están aquí presentes y también el agradecimiento a quienes se han contactado o conectado de manera virtual. Y desde luego quiero también dar mi agradecimiento al doctor Saúl Jerónimo, quien de manera muy gentil, jefe del Departamento de Humanidades de la UAM Azcapotzalco, ha hecho posible conjuntamente con la doctora Norma Durán, quien ha hecho, pues ha sido quien ha concretado una excelente traducción del libro de François Hartog y que también pues ha hecho posible la coordinación con este evento, con Carmina Cardiel, para pues estar aquí reunidos y poder conversar, que es la idea, dialogar en torno a esta nueva publicación de François Hartog. Desde luego es un gran gusto, un gran placer estar aquí reunidos, igual con el doctor Alfonso Mendiola y también con Norma para comentar y agradecerle a François que haya hecho un espacio, un poco de tiempo, dentro de ese tiempo que va de prisa para poder establecer este contacto y esta comunicación. Recuerdo que precisamente el profesor Hartog impartió en este local una conferencia hace algunos años en el Colegio de México, precisamente una conferencia sobre el tema de la autoridad del tiempo. Es decir, lo que François Hartog nos entrega en esta obra es un libro de madurez en donde nos ofrece un esquema original para repensar, me parece, muchas cosas. La historia del cristianismo, la transición de la antigüedad grecolatina al mundo cristiano, los avatares de este mundo a través del filtro del humanismo y el movimiento de la Ilustración, hasta llegar al siglo XX y su tendencia creciente hacia el hiperactualismo o hiperpresentismo, cerrando con la llegada del desafío reciente del Antropoceno. Me parece también que subyace a este recorrido una historia de la historiografía en general, con la particularidad metodológica de realizarlo a partir del establecimiento de una estructura tipológica primigenia en la que se conjugan tanto el mito y la historia, que nos remite a los griegos, a su lengua y lo que devino después hasta nuestro presente. Una estructura en la que, glosando a Koselleck, se combinan estructuras de repetición y novedades cambiantes. Siendo eco de Michel de Certeau, cuando este apuntaba que toda sociedad dice lo que está en proceso de construir a partir de las representaciones o restos de lo que está en trance de desaparecer o de perder. Con la lectura de este trabajo intenso, incisivo, exigente, se agradecen muchas cosas. Sobre todo, me parece, mostrar lo que todavía se puede hacer con la historia. Al salir al paso de aquel desafío lanzado por Koselleck a principios de los 70 del siglo pasado, al preguntarse sobre el todavía para qué de la historia, una disciplina que no había terminado por definir la especificidad de su objeto de estudio dentro del consorcio de la investigación y la enseñanza en el campo de las ciencias sociales y las humanidades, y apuntando al tiempo como el problema central de la historiografía, cuestión que, como sabemos, no es de fácil aprehensión y que por lo tanto requiere del despliegue de una estrategia teórica y metodológica para poder discernirlo, desmenuzarlo y de esa manera poder relatarlo.
Gosset desglosó esa posibilidad al derivar su observación del análisis de los usos del lenguaje situados en ese periodo de transición que marca el ascenso y consolidación de una nueva semántica histórica particular, de un nuevo vocabulario político, social e ideológico marcado por el signo de la temporalidad. En especial al mostrar que en esa nueva semántica o resignificación de los lenguajes del pasado, el concepto de historia terminaba por fusionarse con la cuestión de la temporalidad. Un régimen nuevo de historicidad establecido fundamentalmente en clave futurista que entró en crisis, tal como lo destaca Artaud en su obra de 2003, y que ahora, 20 años después, su autor lo retoma como punto de partida para incursionar de manera más amplia en los avatares de la figura de Cronos, del Cronos que ha conformado de muchas maneras la conciencia del tiempo y de la historia en el occidente cristiano. En este nuevo trabajo, Artaud busca cubrir la brecha que separa en sus permanencias y cambios lo que se conoce como el periodo premoderno y el periodo moderno. De ahí en parte el tono ensayístico que se respira en la lectura de este recorrido de varios siglos, ya que se intenta develar, sacar a la superficie lo que ha sido ocultado, encubierto o semiocultado por la misma modernidad. En ese sentido, para mí, la primera mitad del libro, que se cierra con el tercer capítulo, Negociar con Cronos, incluido el luminoso preámbulo teórico-metodológico inicial, constituye una aportación invaluable, fascinante y consistente para entender y situar en sus alcances y sus límites lo que viene después, lo que Artaud denomina como fisuras y disonancias del modelo ideal plasmado en lo que viene a ser una teodicea histórica cristiana que arranca con el humanismo y remata con el antropoceno. Una de las grandes virtudes del libro, a mi parecer, tiene que ver con el esclarecimiento histórico del modo como un presupuesto poco reflexionado sigue marcando nuestras formas de periodizar a la historia hasta nuestro presente, relacionado con esos siglas que marcan a la historia entre el antes y el después de Cristo, un sobreentendido que se perpetúa sin examinar, del todo su relevancia y los ecos que pueden seguir teniendo hasta el día de hoy. Al adentrarse en esa historia de larga duración, se esclarecen y describen cómo, a partir de ciertas condiciones, tuvo lugar un giro histórico que sigue marcando nuestro presente desde una perspectiva occidental. Al incluir dicha pieza histórica, seguramente muchas cosas readquieren un nuevo sentido, una nueva comprensión más cabal, más compleja con respecto a los nuevos desafíos del presente llegados tanto del presentismo como del antropoceno. Nos despliega a lo largo de nuestra lectura el lento proceso paulatino, no resultado de una fecha o de un autor en particular, sino de un proceso sociohistórico en el que se instituyó una nueva manera de ordenar el tiempo, un tipo de sociedad que en muchos sentidos sigue marcando nuestra historia contemporánea. En un sentido, se realiza este trabajo no meramente genealógico, sino creo que fundamentalmente se trata de un trabajo arqueológico. Es una historia arqueológica de nuestro presente,
realizada por un historiador que bucea en las profundidades del mar y sale de su investigación de esas oscuridades para mostrarnos el tesoro escondido que no vemos o que damos, por supuesto, en nuestras actividades cotidianas y en nuestras maneras de historiar, de seguir narrando la historia. En particular, me parece que el preámbulo teórico-metodológico es muy importante porque en ese pasaje Artaud nos ofrece las nociones histórico-conceptuales con las cuales vamos a poder dar seguimiento a lo largo de muchos siglos de lo que permanece y cambia, que tiene que ver con estas tres nociones temporales que son el cronos, el kairos y el concepto de crisis, que es fundamental. Pero combina estas tres nociones conceptuales con otras cuatro nociones que con las que Artaud va dando seguimiento de cómo el tiempo cristiano, al tiempo que se mantenía en su particularidad, al mismo tiempo daba lugar a posibles fisuras, a posibles crisis, a posibles disonancias, como Artaud menciona haciendo uso de la metáfora de las partituras musicales. Y entonces, yo me pregunto, estas serían un poco las preguntas como parte de este diálogo, François, si de alguna manera tú has hecho realidad lo que tal vez Reinhard Koselleck quiso hacer durante la vida, que es una historia del tiempo en el sentido, o en el sentido occidental. Y la segunda es si la emergencia de este tiempo histórico específicamente moderno se podría leer, se podría interpretar como una disonancia más, como una fisura más dentro de un modelo ideal que sigue de alguna manera colmando nuestra comprensión y nuestras relaciones con el tiempo. Si se trata de una fisura más o la llegada, y aquí entra la cuestión del antropoceno, significa ya un distanciamiento radical de esa partitura originaria de índole cristiano secularizada, para incluir también esta otra noción muy frecuente en nuestra manera de comprender lo que significa el tiempo moderno. Gracias. Et pas ça. Et ce sont ses preguntas. Je vais traduire, Monsieur Artaud, les questions pour vous. Merci. Il y a une première question. Est-ce que tu as réalisé, tu as rendu une réalité ce que Reinhard Koselleck a voulu faire tout au long de sa vie, c'est-à-dire une histoire du temps dans le sens occidental du terme? Et d'autre part, l'autre question a trait à l'émergence du temps moderne. Faut-il l'interpréter, ce temps moderne, comme une fissure de plus dans un modèle idéal qui continue à organiser notre relation avec le temps? Et il y a là un distancement radical par rapport à la partition d'origine.
D'accord. Merci. Merci Guillermo pour tout ce que tu as dit sur le livre et sur ces chapitres des négociations avec Cronos et des fissures et des dissonances, parce que en effet souvent ils sont passés sous silence ces chapitres et pour moi ils sont évidemment importants puisqu'il m'avait semblé intéressant de pouvoir mettre en relation, mettre en système tout ce que j'ai appelé les opérateurs temporels à partir de l'accommodatio, la translatio, la reformatio, et j'en oublie encore, mais qui sont autant de façons de, mais à l'intérieur du modèle du régime chrétien, de faire place à du temps chronos, mais avec le risque aussi de mettre en péril le modèle chrétien, tout en cherchant, de la part des clercs, puisque c'était surtout des clercs, tout en cherchant à le renforcer. Donc c'est ce double mouvement qui m'a semblé intéressant à essayer de faire apparaître. Pour ce qui est de la question sur cette histoire du temps que Kosselek a cherché à faire, je pense que Kosselek était plus encore intéressé par la production d'une historique au sens allemand que par une histoire du temps proprement dit. Mais et en ce qui me concerne, alors je n'ai évidemment pas la prétention d'avoir fait une histoire du temps parce que je m'intéresse surtout au moment de crise du temps, au moment de mise en question, dans ces moments, alors évidemment, dans le moment emblématique de ces mises en question, c'est la Révolution française, avec la rencontre de ces deux régimes d'historicité, l'ancien et le moderne, qui se rencontrent, mais qui, du même coup aussi, définissent l'un par rapport à l'autre. Et il me semble que le régime d'historicité, la notion ou le concept de régime d'historicité est un concept qui est fait pour saisir ces périodes où quelque chose se termine et quelque chose commence et qu'on ne sait pas nommer. Voilà. Donc je ne fais pas une histoire du temps, mais des moments de mise en question, une histoire désorientée du temps, ou une histoire des désorientations dans le temps. À propos du temps moderne, alors, du temps moderne comme fissure ou comme rupture, je pense que le temps moderne, si on prend le temps moderne au sens de ce que j'appelle moi le régime moderne d'historicité, il est une fissure qui s'est élargie jusqu'à la rupture. Bon, c'est une façon un peu peut-être commode de répondre à la question. En revanche, il me semble qu'avec l'Anthropocène, on est dans un ordre, dans un registre différent. Pourquoi? Parce que ça n'est plus seulement une affaire qui se joue, il ne s'agit plus seulement du temps du monde, avec ces différentes articulations ou désarticulations, concordances ou discordances, mais il s'agit d'un temps de temporalité qui sont du temps chronos.
et mais très de très longue durée puisque ça se compte qui se compte en millions d'années. Et c'est un temps qui n'est plus seulement qui ne concerne plus seulement l'Occident, puisque c'est un temps qui s'impose à tout le monde. Donc l'approche par les chronos kairos crisis peut-être n'est-elle plus opératoire pour saisir cela. Et c'est pourquoi dans le petit chronos que vous connaissez, qui a été publié là au mois de septembre à Paris, je termine en parlant d'une ce dont on aurait besoin, c'est d'une cosmochronologie, pas d'une chronologie universelle ou pas d'une chronologie globale. On est dans un autre registre et qu'il faudrait pouvoir tenir ensemble ces temporalités multiples, hétérogènes, contradictoires et qui mettent en œuvre des temporalités s'organisent selon des échelles elles-mêmes incommensurables, puisqu'on a d'un côté le temps du système de la Terre qui se compte en millions et en milliards d'années, et puis la guerre en Ukraine, qui se compte d'un jour à l'autre. Bon. Mais la guerre en Ukraine retentit aussi sur le temps de la Terre, sur le système de la Terre, puisqu'il y a tous ces effets de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, avec des armées qui tirent à longueur de journée des projectiles. Voilà. Est-ce que ça me répond à ta question? Muchas gracias. Y sin duda, creo que la discusión sobre el antropoceno nos podría llevar a debates muy fuertes, ¿no? Y sobre todo es, creo que una visión muy pesimista sobre el tiempo en el que estamos ahora, ¿no? Para esta última parte de la mesa le vamos a pedir al doctor Alfonso Mendiola que nos dé sus comentarios. Buenas tardes. Agradezco los que están aquí presentes y vamos a suponer que existe gente viéndonos virtualmente. Primero, agradecer a la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco con la presencia de Saúl Jerónimo y a el Seminario de Historiografía de Guillermo Cermeño, que nos dio la oportunidad de comentar este libro de François Hartog. Cada uno de los que me han anticipado con la toma de la palabra han intentado hacer un resumen del libro a partir de distintos puntos de vista. A mí me gustaría plantear una interpretación sobre el título y el título Cronos, que sería el término griego para hablar del tiempo, y quizás más precisamente del tiempo ordinario, implica una reflexión que se ha
vuelto muy importante durante todo el siglo XX. Podríamos pensar todo el esfuerzo del pensamiento filosófico por pensar el tiempo. Podríamos pensar de inmediato, y no se necesita tener formación filosófica para decirlo en la obra Ser y Tiempo de Heidegger. Y como historiadores nos viene de manera casi inmediata esta obra fundamental para nosotros los historiadores, que es el texto de Paul Ricoeur, Tiempo y Narración. Yo quisiera plantear qué tipo de esfuerzo es el que yo encuentro en el libro de Cronos, escrito por François Hartog. Primero, y creo que Hartog me va a entender, igual que los que tradujeron la Biblia hebrea de los 70 y trasladaron toda la terminología del tiempo que se planteaba en la Biblia a las nociones griegas de Cronos, Crisis y Kairos, y al traducir este tiempo apocalíptico a partir de esas nociones, se transformó la concepción del tiempo que tenía la cultura griega y helenística. François entenderá que el paso de su francés al español crea un nuevo texto y que este nuevo texto implica nuevas lecturas y permite una nueva comprensión del texto. Hay un elemento que Norma comentó en su presentación del libro, donde decía que el texto plantearía el concepto casi de una lucha con el tiempo. Occidente en lucha con el tiempo. Y el texto, tal como quedó en el subtítulo, en la traducción en español, dice cómo Occidente ha pensado el tiempo desde el primer cristianismo hasta hoy. Si nos fijamos en el título, el verbo más importante es ha pensado el tiempo. Lo que el libro de Cronos nos muestra no es solo que es muy importante y muy relevante ya en sí mismo pensar el tiempo, sino que el libro nos muestra un esfuerzo, como contestó la pregunta de Norma, un esfuerzo de siglos por no solo pensar el tiempo, sino que pensar el tiempo es aprender a vivir en el tiempo y a estar en el tiempo. La lectura del libro Cronos a mí me mostró cómo hubo una gran tarea descomunal de los pensadores cristianos, griegos y latinos, por construir ese tiempo cristiano.
cómo hay un trabajo intelectual que va elaborando esta concepción del tiempo cristiano. Uno, a lo largo de los capítulos del libro, va viendo este gran esfuerzo por construir una temporalidad. Cómo esa temporalidad sigue de cierta manera afectándonos a nosotros. Hay un trabajo intelectual por construir el tiempo y esa construcción de siglos del tiempo cristiano. Digo, de alguna manera nos marca en la actualidad y podría decir de una forma profunda nos marca aún en nuestra comprensión del tiempo. Casi habría un tiempo que se comprende entre un kairos y una crisis. Pareciera que los occidentales, tal como se entiende el concepto de occidental en el libro de François Hartog, seguimos inmersos en la idea de un punto de inflexión, como si siguiéramos tratando de entender el tiempo en su duración infinita a partir de rupturas y tuviéramos que pensar esas rupturas. El interés que François Hartog ha tenido desde Regímenes de Historicidad, que fue una de las respuestas que le hizo a Guillermo Cermeño, es su interés por las crisis del tiempo. Y hay un elemento central en el texto que se mueve entre Chateaubriand y Tocqueville, y la frase sería la siguiente: cuando el pasado no ilumina el presente y el futuro, estamos desorientados. A Hartog le ha interesado esos momentos en que nuestra vinculación con los momentos de la temporalidad han dejado de iluminar nuestra vida. Y esto es lo que considera como crisis del tiempo. Diría que el texto, este libro de François Hartog, nos plantea la crisis del tiempo en la que nos encontramos hoy, que es este tiempo del planeta en oposición al tiempo de una especie animal que ha sido el hombre, y cómo parece un tiempo geológico de miles de millones de años, y cómo esta aparición de esta noción de tiempo viene a desorientarnos y nos impide iluminar nuestro pasado y nuestro presente. En este pequeño resumen del texto de François Hartog, quisiera leer unas frases donde François Hartog nos dice qué no es su libro, qué es lo que no pretende su libro. Dice: las siguientes páginas no son una filosofía del tiempo en Occidente, ni una historia del tiempo desde la antigüedad hasta nuestros días, ni un inventario de las técnicas cada vez más precisas para su medición. Semejante labor, suponiendo que nos arriesgáramos a emprenderla, sería probablemente interminable.
Además, y aquí me parece lo central de lo que es el libro en cuanto tal, además, pienso, no sería necesariamente esclarecedor. Si llevar a cabo eso que no es el libro, dice, no sería necesariamente esclarecedor. ¿Sabríamos más? Y aquí me interesa el sabríamos más. ¿Tendríamos más información? ¿Podríamos tener más datos acerca de lo que el tiempo ha sido en la historia occidental? Pero comprenderíamos mejor, y la respuesta es no comprenderíamos mejor si fuera este trabajo particular de hacer esta historia de la filosofía del tiempo en Occidente o este inventario como tal. Quiero plantear la siguiente pregunta que me interpela a leer Cronos y tiene que ver con esta parte que leí del texto de que no es una filosofía del tiempo. Mi pregunta sería la siguiente: ¿qué puede ofrecer a la comprensión del tiempo en Occidente el trabajo y la práctica de un historiador? ¿Qué es aquello que François Artaud nos ofrece analizando el tiempo en tanto que él se sitúa como un historiador? Esta sería mi primera cuestión. La segunda cuestión que me la han hecho aquellos que han leído el texto, que entiendo que François Artaud no se coloca como un profeta, pero la pregunta no puede dejar de hacerse, es cuál sería la función de la historia a partir de este nuevo tiempo planetario que sería lo que conocemos como esta nueva etapa geológica que es el Antropoceno. Gracias por escucharme, François. Merci, Alfonso. Merci. Je vais peut-être traduire les questions. Oui, oui, je vous en prie. D'accord. Alors, la première question... Donc, les questions partent de ce qui apparaît dans vos textes, qui ne sont pas une philosophie du temps. Mais bon, la première question, ce serait que peut offrir à la compréhension du temps en Occident le travail et la pratique de l'historien? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous nous proposez lorsque vous analysez le temps en tant qu'historien? La deuxième question, c'est, bon, on sait bien que vous n'êtes pas un prophète, mais selon vous, quelle serait la fonction de l'histoire à partir de ce nouveau temps qui existe en Occident, qui existe dans le monde et qui est l'Anthropocène? Quelle serait la fonction de l'histoire? Merci, oui. Bon, je vais essayer de répondre à ces deux questions. Alors, que peut offrir à la compréhension du temps l'historien, ou l'historien que je suis? Bien, tout d'abord, je repartirai de cette citation de Michel de Certeau que j'évoque au début, à savoir que le temps est le quotidien de l'historien et quand même pendant a été largement l'impensé de la discipline. Donc c'est
pour essayer de répondre à cette... Pardon, l'impensé de la discipline? Oui, l'impensé, ce qui n'est pas pensé, ce qui n'a pas été pensé par la discipline, ce qui est laissé de côté, voilà. L'impensé de la discipline. Et c'est pour essayer de, justement d'expliciter cette impensée de la discipline, au fond, c'est ça mon travail. Et le régime d'historicité est devenu pour moi l'instrument qui permettait, alors non pas de résoudre tous les problèmes, mais d'explorer de manière plus éclairante, plus lucide, cet usage instrumental du temps que les historiens ont toujours tendance à faire. Et en ce qui est au fond, que ce soit le régime d'historicité, que ce soit croire en l'histoire, que ce soit la confrontation avec l'histoire, que ce soit Chronos aujourd'hui ou à la rencontre de Chronos plus récemment encore, c'est au fond, c'est toujours cette même question qui revient. Et si on regardait les choses, si on commençait par regarder les choses du point de vue du temps, du point de vue des temporalités? Non pas que, encore une fois, ce soit la réponse, mais c'est au moins le cadre dans lequel on peut commencer à penser un certain nombre des problèmes que nous rencontrons comme historiens, mais aussi comme citoyens, tout simplement. Et pour la deuxième question, alors c'est presque la continuation de la même, de la précédente. Fonction de l'historien, aujourd'hui, dès lors que nous sommes face, justement confrontés, que nous avons face à nous ce temps de l'Anthropocène. Donc nous avons l'Anthropocène et le temps de l'Anthropocène. Comme je le disais en répondant à Guillermo, là encore, la première chose, c'est d'essayer de prendre la mesure de cette transformation. Penser l'Anthropocène, ou ce que j'essaye aussi de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas concevoir un régime anthropocénique d'historicité? Qu'est-ce que ce serait? Est-ce que ce serait un instrument utile? Est-ce que ça nous permettrait d'ordonner justement ces temporalités que je rappelais, multiples, contradictoires, d'échelles aussi incommensurables les unes par rapport aux autres, et en sachant que ça ne concerne pas seulement, encore une fois je le répète, le monde occidental, ça concerne tout le monde. Et ce qui oblige aussi, enfin ce qui conduit à ne pas considérer que tout peut se ramener au schéma Chronos Kairos Crisis. Il faut, prenons ne serait-ce que ces deux exemples, face à l'Anthropocène, l'Occident, pour parler vite, mobilise assez facilement des schémas de type apocalyptique, que ce soit de manière triviale ou de manière plus élaborée, comme chez Bruno Latour, par exemple. Mais ces schémas apocalyptiques n'ont pas cours, que je sache, en Chine ou en Inde. Et le temps chinois ou les temps indiens
n'ont pas cette perspective, n'ouvrent pas ou ne se ferment pas sur cette perspective. Ce qui, alors, à partir de là, je ne veux pas extrapoler trop, mais on peut aussi comprendre que leur attitude ne soit pas exactement la même face à cette catastrophe que nous voyons volontiers sous l'angle de l'Apocalypse, cette catastrophe de l'Anthropocène. Donc leur rapport à cette menace n'est pas nécessairement la même, indépendamment de toutes les autres raisons qu'il peut y avoir pour ne pas se dire qu'il faut agir vite et beaucoup. Enfin, je ne dis pas encore une fois que le temps est la réponse ultime à ces questions, mais je pense qu'il faut raisonner désormais dans cette ouverture-là, et que l'historien, puisque tu me poses la question de l'historien, il a essayé d'attirer l'attention sur ces chronologies enchevêtrées, sur ces qu'il ne faut pas chercher à unifier, mais il est un parmi tous ceux qui ont à se confronter à cet événement, et ça peut être quelqu'un qui travaille interdisciplinaire. L'historien ne peut pas prétendre se passer des scientifiques. Les scientifiques ont intérêt à écouter l'historien, mais il y a bien sûr tous les géologues, il y a les sociologues. Enfin, c'était vraiment un travail interdisciplinaire et si chacun essaye de se fabriquer son anthropocène et ses réponses à l'anthropocène, de bricoler ses réponses à l'anthropocène, ça ne marchera pas. Bueno, pues sin duda que tenemos preguntas muy interesantes y respuestas de mucha profundidad. A mí me gustaría saber si hay preguntas en las transmisiones que estamos haciendo de Facebook o en el auditorio, si hay alguna pregunta que quieran hacer. Estamos viendo. Sí. ¿No? Las transmisiones, ¿no? ¿Alguien de aquí del auditorio que quisiera preguntar algo? Guillermo. Guillermo. Adelante, Guillermo. Sí. Sí, muy brevemente. Sí, François, una de los aspectos que me llamó la atención al leer el libro y que no me lo esperabas, me sorprendió, la manera como resitúas lo que planteaste en el libro anterior en torno a estar inmersos en una época presentista, digamos, ¿no? Un presente presentista dominado por la inmediatez de lo que nos sucede cotidianamente, en la que desde luego juegan un papel muy importante los medios de comunicación, y que das el salto a la entrada y la reflexión en torno al antropoceno, cuya reflexión, si entiendo bien,
proviene del campo de la historia de la ciencia, de los científicos que retoman y continúan la tradición de las historias naturales que comenzaron a desarrollarse en el siglo XIX. De manera que me llama la atención, si estamos ya en esa nueva etapa del antropoceno, el presentismo deja de tener una función sustantiva y que por lo mismo nos obliga a tener que repensar lo que ya habíamos comenzado a pensar respecto de la historia dominado por el presentismo. Me llamó la atención y es lo que yo quería, pues, de alguna manera lo has respondido, pero no deja de llamarme la atención. Sí. Oui, si tu veux. Voulez-vous que je traduise ou avez-vous compris? Oh, j'ai à peu près compris. Ok. Si, si tu veux. Le présentisme, si on admet qu'au fond, il est là depuis presque un demi-siècle, il est encore là. Et il est encore là, notamment par toutes les réseaux sociaux, par enfin, tout ce qui relève de l'information, de l'instantanéité des moyens d'information, le capitalisme financier qui travaille avec des nanosecondes. Bon, donc tout ça, ce sont les grandes plateformes, bien sûr, hein, dans Amazon, Google, etc. TikTok, enfin bon, toutes ces grandes... tout ça, ce sont des instruments présentistes. Bon. Et par conséquent, le présentisme n'a pas disparu et il n'est pas en voie de disparition, je ne crois pas. Et d'autant que nous avons maintenant des générations qui n'ont connu que le présentisme, bon. Qui vivent sur les réseaux sociaux, avec tous les problèmes que cela génère. Et par ailleurs, nous savons, ce que je ne savais pas quand j'ai proposé d'appeler ce moment présentisme il y a 25 ans, nous savons que le présentisme, si on n'a jamais pu penser qu'il était durable, est devenu intenable, compte tenu précisément de cette avancée de l'anthropocène. Bon. Puisque, avec l'anthropocène, on se trouve à nouveau avec du futur. Et un futur immense et un futur, comme je disais, une lumière noire et non pas une lumière glorieuse. Bon. Alors, on est là dans cette contradiction. Le présentisme est toujours là, il a toujours des moyens d'action, si je puis dire, si je lui donne une capacité d'agir, et nous savons pourtant qu'il faudrait en sortir. Et c'est, à mon avis, le point où nous nous trouvons aujourd'hui. Et il n'y a pas de solution qui soit présente aujourd'hui, d'autant moins que enfin, tous ces instruments présentistes sont très actifs, qu'ils sont très puissants, que le monde politique est lui-même totalement présentiste,
Tout ce que nous pouvons dire, c'est attention, ça ne peut pas, on ne peut pas rester, on ne peut pas demeurer dans cette, entre-deux, présentisme fermé sur lui-même et futur catastrophique. Et beaucoup d'incompréhensions surgissent de cette discordance profonde des temporalités. Sin duda que el antropoceno, ¿no? Este tiempo del antropoceno nos abre como un proceso de reflexión y quizá abundando un poco en lo que decía Guillermo sobre el papel de los historiadores o de los científicos sociales, quizá no solo de los historiadores, sea tratar de comprender que vivimos en este presente de incertidumbre sin las certezas del futuro, por ejemplo, del siglo XIX, ¿no? Que teníamos como más claridad y había una especie de luz que alumbraba esto. Y a lo mejor quizá, y esa sería mi pregunta, quizás lo que tenemos que hacer es tratar de comprender este mundo de incertidumbre en el que ahora estamos y que efectivamente parece que no hay salida, pero en realidad estamos permanentemente en una salida y en una entrada en este mismo tiempo. Digamos, este proceso de incertidumbre creo que es permanente. No sé si esa tarea del científico social o de los científicos en general, porque esto atañe, digamos, a todas las ciencias, tenemos que pensarlo de esa manera y quizá no desaparecer la desorientación, pero sí cuando menos tratar de buscar algunas señales en este mundo que se mueve entre este presentismo y esta especie de ser sol negro con el que se caracterizaba el antropoceno hace un momento. No sé qué opine François. Oui. Est-ce que j'ai pas entendu la fin de ce que vous avez dit. Que si puede repetir el final de lo que dijo, por favor. La fin. El final. Sí, que si quizá la labor que tenemos es tratar de orientar que no tenemos un futuro único, ¿no? Como humanidad, como en este tiempo del antropoceno, que vivimos en la incertidumbre y que estamos obligados justamente a tratar de entender esa especie de paradoja en la que vivimos, ¿no? Entonces, oui. Creo que por ahí es mi pregunta. D'accord. Oui. Le diagnostic que vous portez, je le partage. Et ce qui me paraît encore insuffisamment compris, aussi insuffisamment compris de chercheurs ou de collègues historiens ou sociologues ou anthropologues, c'est que on ne peut plus dissocier les temps du monde des temps de l'anthropocène, et qu'on ne peut pas prétendre résoudre le problème, si je simplifie extrêmement, mais c'est simplement pour être clair, on ne peut pas régler le problème en disant il faut faire disparaître le capitalisme. Le capitalisme, à supposer qu'il disparaisse, et sûrement pas en deux jours, ça ne réglerait pas le problème. Puisque nous avons
de toute façon, modifier le système de la Terre pour des siècles et des siècles. Donc, c'est la difficulté supplémentaire, c'est que nous avons à faire face à un futur qui est déjà en partie engagé. Un futur qui n'est pas advenu, qui n'est pas encore advenu. Alors, c'est un autre déjà pas encore. Hein, un futur qui n'est pas encore advenu et qui est déjà en partie joué. Et ça, c'est très compliqué à comprendre et c'est très difficile à d'y répondre. Muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta más de la transmisión de YouTube que dice, es de Raúl Antonio Buendía. Considerando la aceleración del tiempo de la posmodernidad, ¿la hermenéutica sería una buena compañera de la historia para la búsqueda del sentido de tanto histórico como temporal? Alors, oui, dans le. Il dit. Je pense que la démarche. L'accélération du temps de la postmodernité. Est-ce que l'herméneutique serait une bonne compagne de l'histoire pour la recherche de sens, tant au sens historique que temporel? Oui. La réponse est oui. Je pense que d'ailleurs l'herméneutique, elle est pratiquée. Justement, on parlait de tout à l'heure, Alfonso faisait parler de Ricoeur, qui s'inscrit dans cette perspective herméneutique. Kosellek est à la fois dans cette perspective, cette pratique herméneutique, avec des réserves qu'il a exprimées par rapport à Gadamer. Mais enfin, il partage une bonne partie de l'approche herméneutique. Et je pense que c'est en effet une manière de ne pas se laisser enfermer dans ce postmoderne qui au fond n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui, s'il en a jamais eu, puisqu'on ne sait plus trop qu'est-ce que le postmoderne face à l'anthropocène, je ne sais pas ce que ça peut donner, puisque tout d'un coup le postmoderne qui considérait qu'il n'y avait plus rien au-delà se trouve avec face à lui aussi ce futur porté par le temps de la Terre. Dans ces conditions, je suis pour une approche de type herméneutique, oui. Tenemos otra pregunta. Hola, profesor Artok. Merci beaucoup. Bonsoir. Voy a hacer mi pregunta en español. Son dos. La primera consiste en recientemente ciertos personajes como empresarios como Elon Musk han propuesto un cierto escape, una cierta vía de escape de los problemas de la Tierra, de la contaminación y, digamos, de todas las consecuencias climáticas que tiene el tiempo del Antropoceno. Este tipo de escapes, ¿cómo podríamos integrarlos dentro de la historia del tiempo o de las reflexiones sobre el tiempo, considerando que es una vía alterna a las soluciones que podemos proponer desde nuestro tiempo histórico, situados en el planeta, digamos, ¿no? La segunda pregunta es,
¿cómo podríamos considerar o cómo, dónde podríamos incluir en esta suerte de giro temporal en la historiografía y en las reflexiones también filosóficas de, lo, de las nociones como cutuluceno, holoceno, que van de la mano de filósofas e intelectuales como Donna Haraway, Laureen Barland, etc. Básicamente sería eso. Muchas gracias por la conferencia. Voulez-vous la traduction? Oui, je veux bien. Ok. Alors, ce sont deux questions. Oui. La première question serait la suivante. Récemment, il y a des personnages, des entrepreneurs, par exemple, comme Elon Musk, qui proposent des fuites par rapport au problème de l'anthropocène, des fuites par rapport au changement climatique, la faim, etc. Comment situer ces échappements dans l'histoire, puisque nous proposons des solutions. Ceci se fait de manière alterne aux solutions que nous pourrions proposer depuis notre temps. Comment situer ces échappées, ces échappements ou ces fuites? Quand il parle d'escape, c'est quitter la Terre. Perdón, cuando hablan de escape, es de abandonar la Tierra. O aller vers la Mars. Como c'est... irse hacia Marzo, hacia Marte, ¿verdad? C'est ça. Oui, je pense que c'est ça. Oui, d'accord, oui. Et deux, la question numéro deux, c'est comment inclure dans ce retournement temporel des choses comme le cutoloucène ou l'holocène proposé par des auteurs tels que Donna Haraway ou Dolly Balant. Ok. Bon, en ce qui concerne la première question, ces entrepreneurs, alors c'est des entrepreneurs américains, il y a un anglais aussi dans l'affaire, Musk avec ses fusées, Jeff Bezos aussi avec ses fusées, et qui veulent aller vers Mars. Bon. Et alors, je pense que ça a une double. C'est une espèce de. Bon, ces personnages qui sont devenus des puissances absolument financières considérables et gigantesques ont leur propre politique. Bon. Mais ce sont avant tout des entrepreneurs. Et le paradoxe, d'une certaine manière, c'est que, en tout cas pour Bezos, c'est que ce sont des gens qui sont des agents très puissants du présentisme, puisqu'ils vivent du présentisme, et en vivent bien. Et qu'il propose une espèce de remake du rêve américain futuriste. Alors on peut dire, ah oui, c'est au fond de la communication, mais il n'empêche qu'ils investissent des sommes considérables dans ces entreprises et qu'ils réussissent aussi dans ces entreprises, puisque apparemment les fusées de Elon Musk marchent assez bien. Il n'est pas encore sur Mars, mais peut-être qu'il ira, je ne sais pas. Ce que je trouve, bien entendu, c'est une solution qui n'en est pas une, puisque ça ne peut de toute manière concerner qu'un nombre extrêmement limité de gens. Donc, ce n'est pas une solution au problème de la perspective d'une sixième extinction des espèces. Parce que même si quelques exemplaires arrivent vers Mars, ça ne suffira pas à régler la question. Mais encore une fois, ce qui je trouve intéressant, c'est cette espèce de, à la fois de ces gens du présentisme absolu. Musk rachète Twitter, et puis
on rêve de futurisme. Bon, c'est une espèce de régime moderne d'historicité. Enfin, ils sont dans une perspective du régime moderne d'historicité en même temps. Pour ce qui est de la seconde question, concernant le Tulochène ou ce type de construction, ça me paraît de Donna Haraway, ça me paraît au fond en phase avec cette la désorientation présente. Alors évidemment, si elle entendait ça, elle ne serait pas contente, mais ça me paraît en phase avec la désorientation présente, puisque c'est une façon de dire il faut que toutes les limites disparaissent. Bon, donc nous avons eu un univers, un monde qui s'est construit au fond depuis le début sur des partages, des partages entre les hommes, les dieux, entre des hommes, des femmes, entre etc. etc. Donc on a des âmes, un corps, une âme. Enfin, au fond, la culture s'est construite sur des partages qu'on peut contester, qu'on peut remettre en question, qui n'ont cessé de se modifier. Et là, ces personnes viennent, qui se placent dans une perspective post-human, post-humanism, ces personnes viennent dire il faut mettre fin à tous les partages qui sont des limitations, qui sont des amputations, qui sont des contraintes, qui sont et il faut essayer toutes les possibilités. Il faut inventer, il faut essayer toutes les possibilités. Et alors c'est une espèce de, il y a une espèce d'optimisme de cette situation, de faire cette tout, on peut tout essayer et c'est bien. Ça permet, puisque le but c'est quand même de vivre bien. Bon, c'est pas du tout, ils ne se placent pas du tout dans une perspective mortifère, mais ça m'apparaît, mais probablement c'est mon grand âge qui fait ça, ça m'apparaît comme une forme d'utopie. Une forme d'utopie d'aujourd'hui, une forme d'utopie pour aujourd'hui. Muchas gracias, François Artaud, por esta comunicación, por este diálogo que hemos establecido aquí. Creo que hay muchas ideas en el aire, hay muchas preguntas y pues no nos queda más que recomendar la lectura de este texto porque es un texto que va a servir para el debate, para la discusión, tanto para historiadores como para filósofos, como para historiógrafos y en general para el pensamiento moderno contemporáneo. Yo creo que eso es lo más relevante, es decir, no está orientado desde una perspectiva disciplinar, sino en una reflexión de muy amplio espectro, ¿no? Aquí entramos todos, desde alguien que quiera trabajar o hacer estudios medievalistas, alguien que quiera hacer estudios respecto al presente, respecto al siglo XIX, respecto a los principios filosóficos con los que se ha manejado el tiempo en la cultura occidental y, por supuesto, con todo el conjunto de asuntos que implica el antropoceno y que hoy en día nos tienen muy preocupados y muy ocupados. Entonces, bueno, pues quisiera dar las gracias desde
desde este recinto tan, tan agradable del Colegio de México y celebrar la participación entre la Universidad Autónoma Metropolitana, el Departamento de Humanidades y el Colegio de México, y en particular el Centro de Estudios Históricos. Y pues agradecer la compañía, Alfonso, Norma, y por supuesto de nuestro autor, que hoy en día, con el cual hoy en día hemos tenido la suerte de platicar, François Hartog. Muchas gracias. Gracias, François. Merci, merci à vous pour ces, merci à vous pour ces moments que nous avons pu encore partager, même à distance et sans traduction, véritablement, mais si, enfin une traduction, mais indirecte, voilà. Et je remercie la traductrice d'avoir travaillé dans ces conditions difficiles. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.